bisous Adrien qui s'insère sur le bon site avec Laosa qui va pouvoir aller tenter la plante. Est-ce qu'on a une réponse de la part d'Ian? C'est possible? Pas du tout. Adrien est en train d'aller au bout de la plante. Raikou s'est quand même débarrassé de Miracle. Azox l'a vu, mais ne peut absolument rien faire. On est bloqué sur sa position. On va quand même aller faire tomber Grubby au niveau du bleu. Et maintenant, il n'y a plus qu'une pression frontale de la part des Secrets avec Jume et avec Adrien. Et c'est Savage qui va aller prendre Raikou. Adrien qui va se débarrasser de Frenchy. Derrière son bouclier, il fait la loi une fois, deux fois, mais pas jusqu'au bout. Il la fera enfin sur Azox. On mettra une balle sur Naiko qui se retrouve en V2. On a repris la verticalité, mais ça va être se faire récupérer. Attention, 20 petites secondes, on a plus de C4, on a plus de grenades entre les mains, on n'a plus rien du côté de Naiko. Il va falloir y aller avec les armes tout simplement. 10 secondes, ça ne passera pas pour le français. Adrien a superbement géré sa position. C'est deux IEM de l'autre côté, oui, on en a encore une. On va pouvoir s'assurer d'aller ouvrir le mur. Un C4 qui a été prépositionné par les français. Peut-être pour faire une différence. Et attention, ce bandit, est-ce qu'il va pouvoir aller deny cette ouverture? C'est parfait. Et c'est Sky, est-ce qu'il va répondre avec un C4 sur Grumi? En plus, il n'y a plus aucune ouverture possible. Le T1 de ce côté restera fermé. Et ça fait l'avantage donc à 40 secondes de la fin entre les mains des N. Sky, Azox, Frenchy, Raikos. On est en train de monter au niveau de cet escalier main. Miracle qui va tomber sous les balles de Frenchy. Savage qui arrive dans la zone. Savage. On est en train de remonter. Il va faire très mal. Non, le FNAT qui donne l'information. Savage sera mis au sol. Azox qui le terminera. Jume va aller chercher Raikos. Mais il sera revenge par Skies. Ne reste qu'Adrian au milieu du monde site. Avec seulement ses yeux pour pleurer. Il n'arrivera même pas à aller prendre Skies. Réponse parfaite de la part des Français. Et du côté de Chris Grubby qui va essayer d'aller se débarrasser de Frenchy, mais ça n'arrivera pas. C'est Naiko qui tombe sous les balles de Jume. Adrien qui va aller s'insérer. Il va réussir à passer derrière ce bar. Pourquoi pas essayer de tenter la plante? Adrien qui va se débarrasser de Skies. 3v3. 15 petites secondes à jouer. Est-ce qu'on va pouvoir aller au bout de cette plante? Grubby qui tient de son côté. Grubby. On a planté le désamorceur pour Adrien, mais il sera mis au sol. Grubby qui s'est fait oublier totalement dans cette chaudière. Est-ce qu'on a l'information sur lui? Ses pieds qui vont dépasser. Peut-être on avait l'information, mais on a décidé de faire fi, il ne reste que Jume, donc potentiellement au niveau de cet escalier main, Frenchy qui va aller finir sur Adrien, on est couché, on n'a plus l'avantage de la ligne, mais Jume va aller en prendre deux, il ne reste que Grubby au niveau du bleu qui va repartir intelligemment vers l'armurerie, on pense qu'il est toujours dedans, mais un ping rouge est parti en face, et une nouvelle fois, ça fait les affaires des Secrets et ça fait les affaires de Grubby qui va aller clutcher la manche. Ça fait deux fois qu'on se fait un peu planter au nez et à la barbe pour les N-Sufu. Il avait déjà pris de lourds dégâts, il va continuer à en prendre, il est maintenant une balle de la mort, on continue à envoyer les magnets du côté de Frenchy, c'est le stuff qui est peut-être en train de faire la différence en faveur des défenseurs, mais attention, il y a une position extrêmement forte récupérée du côté des Secrets, et il y a une deuxième position forte qui est en train de tomber, c'est le top rouge, Miracle qui va se débarrasser d'Azox, mais Naiko ira répondre en faisant tomber Adrien avec le désamorceur. À la brèche, la plante défaut, on l'a pas en dessous. Pour Frenchy, on ne peut rien faire pour Jume, on ne peut pas planter. On peut planter ici. Bah non, on peut pas. Bah non, pas comme ça. Je sais pas comment. Il a tunnel vision totalement là. Non, mais là-dessus, et Frenchy part en dessous. Ah ouais. Stylé Jume. Le trou vient de se faire, il va planter dessus. Lésion qui va tomber à son tour. Miracle par contre, Sky, qui justement va venir s'empaler sur la Zami de Skies. C'est compliqué de tenir. On a un joueur très très low HP à l'extérieur. C'est Grubby. Il y a un ping rouge qui vient de partir avec la Rouge Kawan. On va s'insérer pour Adrien. Allez planter au niveau du mur renforcé. On repasse sur la gym. Il y a un Prefire qui est parti de Grubby dans la tête de Skies. Le C4 n'y donnera rien malheureusement. L'idée était bonne, elle arrive un tout petit peu tard. On est toujours au niveau de ce mur renforcé pour Adrien. On n'a pas offert son corps à la science, Azox. Il est trop compliqué sur un V3. Il est trop compliqué. Il va quand même aller coller une première pépite sur la tête de Savage et il n'arrivera pas à en coller une sur la tête d'Adrien. Oui, il a clairement compris le positionnement. Malheureusement, cette fois-ci, c'est pas au nez et à la barbe, c'est finalement avec un gros avantage numérique que les Secrets sont allés chercher leur manche. C'est une situation potentiellement de 2v3. Il ne prendra pas le deuxième. Miracle qui va aller se débarrasser de Naiko. On fait du 2v3, mais on a fait perdre pas mal de temps au niveau de ce bar. Ça peut faire leurs affaires. Surtout qu'on a de quoi ouvrir, certes, mais il va quand même falloir passer sur les problématiques de stuff. Sur un joueur potentiellement
agressif au niveau de son église, c'est Azox qui va aller renforcer le lieu. Ah bah ouais, il va y aller, tout simplement, comme ça. On arrive avec un ratero, on va essayer de fixer sa position, mais 15 secondes à jouer. Il va falloir passer par la porte, par le couloir, on va envoyer des flashs, on va s'insérer par le couloir. Mais il y a un joueur qui arrive sur le côté et on est en situation de 1v2. Frenchy, 2 secondes, 1 seconde, il va pas lâcher. On est en train de planter au niveau des box, on avait plus de balles et ça ne passera pas pour Frenchy. Ah, c'est terrible. C'est terrible, ça se joue encore une fois à rien au niveau de ce sous-sol. Savage. Ah, il va faire mal, Savage. Il va aller chercher Skies. On n'en avait absolument pas conscience. Côté français, le C4 ne donnera rien du côté de Miracle. Grubby qui prend des dégâts, mais c'est Azox qui va tomber pour nous offrir un 3v5. On ira chercher la Azami de Jume, mais Savage, une nouvelle fois sur le top, vient de faire un carnage. Voilà la différence entre les Secrets et les Ents aujourd'hui. À l'expérience, au culot peut-être aussi, mais dans le côté méticuleux, on est pour l'instant meilleur. Pour les Européens en face, Naiko tente la plante, mais on ne va pas mordre au bait. Et de toute façon, on peut même le laisser planter. On est en situation de 3v1, on va le laisser aller au bout. Et ouais. Presque trop facile pour les Secrets. Du lancer, Jume, et ben non, Raikos qui va lui mettre un énorme travers. Ça ne passera pas pour l'Allemand, ça fait les affaires des Français, c'est le Castle qui saute, le meilleur joueur pour l'instant sur le terrain, le C4 est parfait. Et derrière, Miracle qui va aller se débarrasser de Frenchy, Raikos qui va s'offrir un 1v2, Raikos qui va pré-fire jusqu'au bout. Il reste 30 secondes à jouer, on est au niveau de ce terrain donc. On envoie une flash, mais il n'y a personne dans la douche. C'est au niveau de la porte construite. Il se trouve un joueur. Les deux joueurs se repositionnent autour de l'office. Raiko s'est totalement blanc par sa propre flash. Dans l'autre sens. Pourquoi pas. Une fois, deux fois. Leur faire à l'envers. On sait qu'il y en a un qui s'est repositionné au niveau du bureau. Et on va en prendre un. On n'en prendra pas demain. Adrian qui sera le bourreau de CNS. Ah là 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 là. C'est peut-être à Adrian de tenir maintenant. C'est Skies qui va tomber au niveau de ce garage sous les balles d'un Savage qui était positionné sur sa box et qui a pu aller le prendre à revers au niveau de cet escalier. Est-ce qu'on a l'information? Non, on n'a pas l'information de Savage qui est au contact de la porte. J'ai l'impression qu'il y a un ping qui est parti sur cette position. Naiko qui va avancer, qui va couper un petit peu tout ça, le rebond de la smoke. Miroir, miroir. Ouais, ça recule, mais Naiko est en plein milieu de la deuxième. Naiko qui va s'en sortir avec 15 PV. Savage extrêmement solide qui fait tomber Azox. 30 secondes à jouer, on aura les pieds de Naiko puisqu'il n'avait plus de points de vie. Jume terminera sur Raiko, c'est Adrian pour en terminer de ce match. 7-2 pour les Secrets. Ah, cette manche était peut-être celle où c'est le plus parti en live, Fufu. Les Secrets prennent leurs 3 points.